Bonjour, bonsoir. Dépendamment d'aller regarder cette vidéo, ça, on déjà souhaite bonjour et bonsoir. Nous apprécions chaque monde qui déjà fait de pas pour ensemble avec nous là dans moment ça. Nous vous merci pour ça. Et alors après nous prenons bon quelques jours que nous pas ensemble avec vous. Il y a une raison pour laquelle qui fait nous pas ensemble avec vous. Je dis qui ça nous vote pour? Alors, nous te dit ok, nous avons pour nous parler un peu de fête. Dans la semaine passée, nous avons parlé de fête Dieu, nous parlons un peu de fête maman, nous parlons un peu de fête tabernacle, nous te touché fête des pains sans le vin. Alors nous te touché fête des pains sans le vin, nous pas de vlé et pas touché fête là en général. Nous pas de les bons morceaux. Mais aujourd'hui, nous retournons avec Reslan. Pas forcément si Resvri. Nous saluons les amis, mais nous pas capables de recevoir appel. Merci. Nous pas capables de couper. Nous souhaitons vous comprendre. Nous te dis déjà, nous va expliquer un peu de fête Pâques. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour Pâques. Mais nous prenons juste ça et pour nous capables d'expliquer un peu des fêtes Pâques. Qui origine fête Pâques? Pour qui ça a été fêté fête ça? Et qui est-ce qui te baille autorisation pour fêter la Pâques? Et qui monde tout qui a droit pour fêter la Pâques? Qui te gagne droit en dit comme ça? À l'époque. Eh bien, nous avons une signification la fête des pains sans le vin. Nous avons une signification. Yo. Et nous parlons un peu aujourd'hui des fêtes Pâques. La. Et comment vous avez célébré? Pour qui ça a été célébré fête Pâques? La Bible dit que tous les ans, au ce moment de la Pâque, Israël devait manger que du pain sans levain. Nous t'expliquons qui ça pain sans levain signifie. Pour te commémorer, sotio, yo te esclave en Égypte. Dieu te dit Moïse, ma boye une prescription pour bay peuple Israël la pour moi. En sorti yo en Égypte pour te traverser Jourdain, là yo fin traverser et puis Dieu dit mais Lord. Mais ça nous va le faire. On allait dans Exode 12. Nous allons dans Exode 12 pour nous capables de lire ensemble avec vous. Nous te parlons un peu et on nous fait le texte là. Et les Israélites sont sortis d'Égypte avec tant de rats qu'ils n'ont pas
il est temps de faire lever les pains. C'est pour cela que la première Pâque a été célébrée avec des pains sans levain. Nous devons signification ça. La Bible explique ces mots, la signification de ce pain pendant la fête. La Bible explique lui, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain. Nous te baille signification. Eh bien, du pain des misères, car c'est avec précipitation que tu es sorti en Égypte. C'est pour cela que Dieu te dit Moïse, où va by Israël précepte ça pour moi. Il a mangé pain sans levain. Pain qui pas mêlé avec le vin. Le pain en gèle le vin là-dedans, il gonflé. Il gagne petit pli et humble. On te baye signification. Alors, c'est parce que on était sorti avec précipitation en Égypte, avec colère. Parce que les peuples Israël, les peuples égyptiens pas voulu, l'armée égyptienne pas voulu laisser Israël aller. Dieu dit Moïse, allez, annoncez le peuple là. Mais ça vous y fait. Et puis Moïse était perdu. Parce que Moïse n'a pas senti qu'il était capable d'aller. Eh bien, les Moïse allait, les Moïse sortit avec le peuple là, traverser la mer. Il finit traverser le Jourdain. Hein? Et puis, l'armée, Pharaon, entré dans le Jourdain pour passer, mais pas oublier où ça va être fait pour eux. Ou ça te fait pour Israël et spécial. Eh bien, pas de gen youn qui te vive. Mais c'est pour raison ça, Dieu dit c'est avec précipitation nous sortis en Égypte, en pressé, avec colère, émotion. Dieu n'a pas agi n'importe qui, mais à l'époque, Dieu dit fait ça ou pas faire. C'est pas lui qui agit, non, c'est vous-même parce que vous pas respecté les lois de Dieu. Eh bien, nous allons aller plus loin. Ce sera le cas afin que tu souviennes toute ta vie au jour où tu es sorti en Égypte. Nous allons aller dans Deutéronome 16, verset 3, Exode 12, Nombre 9. Nous allons aller verset ça. On allait. On a avec moi dans Exode 12. Et si, pour compréhension, chaque monde qui est en suivre nous là, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci pour compréhension de ce qui est avec nous, de ce qui n'est pas quitté nous. Et nous-mêmes, nous ne pas quitter, nous sommes toujours là pour nous aider. Nous avons aidé nous tous. Que bon Dieu nous. On a dans Exode 12. Merci. Institution de la Pâque. Et ça fait le dire, m'a posé une question. À plusieurs reprises, qui me pose une question, il est difficile pour me joindre des monde répondre. Par contre, vrai, est-ce que c'est temps pour ne pas gagner ou bien c'est lié par les vidéos? S'il vous plaît, quel que soit mon monde, ou qu'à les vidéos ça, quel que soit dimension dans mon Dieu, ou qu'à l'île, pas forcément ces vidéos, a été garé. Et tigari, ça me parle, ça tigari parle. Il est vrai c'est tigari, mais sa gari a dit c'est pas lui, c'est la Bible qui a dit. L'autre dit ça tout, l'autre dit c'est tigari. Ah tigari, qui côté mon ça sorti, on dit ça qui ça pousse au dil. Et ça que l'autre dit de veiller. L'autre dit tigari qui a dit ça, c'est la fierté, et mon fierté, un fier de moi-même. Hein? Et ça quand nous dit à tigari m'a pas les vidéos ça s'il vous plaît m'a dit vous faire l'autre bagaille soit l'important qu'a fait mais l'île s'il vous plaît gain bagaille qui important pour cap bon pour nom m'a vinn bay l'argent là mais bay parole cap bon pour nom dès nos jours en question ma première poser avant me verser est-ce que chrétien de nos jours
ou bien capable, on dit chrétien capable de fêter fête Pâques de nos jours, ou bien chaque année, ou bien chaque dimanche 7 jours, ou bien chaque jour dans la semaine, ou bien premier mois de la semaine, est-ce que chrétien capable de fêter fête Pâques avec pain sans les vin ou bien vin? Je vous dis, nous prenons les deux versets pour vous. C'est ça qui fait, nous ne pas dire nous connaissons, mais nous besoin fort comme ça. Ou besoin gagnon don de discernement. C'est pour cela que dit, libre et diversité des dons. Nous voilà, nous voilà tout chiffre, c'est ça. Diversité des dons. Mais nous besoin gagnon don de discernement. Nous besoin prier l'Éternel. Comment dire l'Éternel? Discernez ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait avec vous-même. Point bas. Bref, nous pas là. On a l'institution de la Pâque. Institution de la Pâque répétée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Puis devant nous, on va lire ensemble avec vous. L'Éternel dit à Moïse. Ben, ça fait une différence. Nous ne pas entrer dans les lois de Dieu là, non? Mais nous avons dit un peu. Pendant que nous parlons, nous avons tout profité de ça. Nous allons faire une prochaine vidéo, nous allons parler de la loi de Dieu. Mais bon différent entre la loi de Dieu et la loi Moïse. Nous pas faire différent à la. Si tu as une question, nous allons répondre à une question. Mais nous tout de ça. Il y a une différence entre la loi de Dieu et la loi Moïse. La loi de Dieu est là depuis les temps. Des temps. Et ça fait dit avant la loi 20, nous étions sous la carte de la loi. La loi de Dieu était établie dans le jardin d'Éden. Laisse à Moïse pas de quoi en existence. Nous ne pouvons pas là toujours, mais nous voulons expliquer un bagage. La loi de Dieu commençait établie depuis dans le jardin d'Éden. Mais Moïse n'est pas respecté. Il faut qu'on fasse une différence entre la loi de Dieu et la loi Moïse. La loi Moïse sont l'autre loi liée. C'est Dieu qui baille Moïse l'ordre avec peuple Israël seulement. Tu as tout peuple parmi les nations. C'est ça la Bible dit. Mais il a choisi Israël pour te bali l'ordre. Comment pour te fêter? Faites ça. Est-ce que les chrétiens de nos jours ont fêté, fête Pâques pendant 7 jours? Ou bien chaque premier dimanche dans le mois, ou bien chaque. Et nous allons le on a. Dès que tu as posé des questions, si tu as une réponse, n'a pas une réponse. Si tu as un commentaire, n'a pas partagé plus d'idées. Que bon Dieu bénisse. L'Éternel dit à Moïse, on t'a lu le premier, dans Exode 12, institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à dans le pays d'Égypte, c'est moi ce sera pour vous les premiers des mois. Qui c'est moi Nissan. On t'a parlé de la semaine passée dans la vidéo de fait passer et on t'a parlé des fêtes des trompettes. On t'a expliqué dans qui moi. C'est ça qui fait tout. Là on a parlé de Israël. Ou besoin qu'on ait oreille Israël, ou besoin qu'on ait les Israël, ou besoin qu'on ait année Israël, comment ont été fonctionné. Calendrier Israël avec calendrier romain, c'est deux calendriers différents. Les nouvelles en Israël, nous expliquons un peu d'Israël, mais je dis, nous allons expliquer tout petit toujours. Nous n'avons pas fait trop de temps avec vous, nous souhaitons très compréhensif, pas de patience avec nous. Merci d'avance, au même cap suivre nous. Nous saluons chaque monde. Nous sommes capables de te merci. Eh bien, nous retournons encore. Excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse, à Aaron, dans le pays d'Égypte, c'est moi sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Mot l'année, ça, c'est souligné. On va souligner. Mot l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le deuxième jour de ce mois, est-ce que nous sommes capables de faire tout, même avec Israël? Est-ce que nous sommes Israël? Et branchez nous, branchez. Greffez nous, greffez. Greffez nous, greffez. Nous pas Israël.
C'est greffé, la Bible dit nous greffé. Nous ne pouvons pas là, nous ne pouvons pas toucher le prince. Que bon Dieu bénisse. On prendra un agneau, même moi. Moi, maintenant, chaque monde qui a écouté moi, qui a dit ça, on prend un agneau. Pour chaque 1000, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu, nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On explique un peu des agneaux. La Bible dit que l'Éternel dit avec Moïse, pour yon fête fête Pâques ça, yon pren yon agneau. Eh bien, agneau ça, je dis, yon ont besoin de signification agneau. Agneau gen grande signification dans la Bible. L'agneau était Christ. L'agneau là, c'était Christ. Était l'agneau immolé pour nous. On a dit. Ce sera un agneau sans défaut. Christ. Pas de bien aucun tâche. Christ fait tout parfait. Christ, c'est un agneau sans défaut. La Bible a expliqué là. Dans l'Ancien Testament, il va prendre un agneau. Naturellement, physiquement, il va prendre un agneau. On a dit. Nous avons quelques explications tout petit pour nous faire trop de temps avec vous. Mais âgé de 1 an, vous pourrez pendant prendre un agneau ou un cheval. Il y a des références de ça, nous allons parler. Vous les gardez jusqu'au 14e jour de ce mois. Nous avons des significations 14e jour de ce mois. Nous avons déjà. Est-ce que nous avons des bâillons? Si nous avons des bâillons, nous allons poser des questions. Toute l'assemblée Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, qui c'est? Les deux sabbats. La Bible avait expliqué. Entre les deux soirs. Puis devant nous va expliquer li nan Luc 22 plus quoi ou bien nan Marc 7. On a dit. On prendra de son sang et on émettra aussi les deux poteaux et si les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Et bien, l'Éternel dit avec Moïse, il va prendre agneau ça, il va tuer agneau et il va manger agneau avec voisin Israël. Et puis les fin manger agneau, il va prendre 100 agneau passer dans les tout porte. 100 agneau ça qui était immolé pour nous. À Golgotha, qui a un type li et humble, qui a une grande signification. Mais je dis, de nos jours, est-ce que nous apprenons sang naturellement pour nous passer dans les taux, même avec Israël? Dieu, Moïse te dit avec Israël. C'est la même nuit, on en mangera la chair de rôti au fait. On en mangera avec des pains sans lait de vin, des herbes amères. On te baille signification ça, semaine passée, des pains sans lait de vin avec des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuite. Puis, gagne manger sans le pas cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, des jambes et l'intérieur. Nous ne pouvons pas quitter en rien dans verset 10 là jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin vous brûlerez au feu. Car vous mangerez, vous aurez vos reins saintes, vos souliers, excusez-moi, aux pieds, et votre bâton
à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Eh bien, l'agneau avait immolé à Golgotha, la Bible avait expliqué. Il était fait naturellement. Il était pris un agneau, un animal, il était tué, puis il était fait ça. C'est l'Éternel qui te parle avec Moïse. Et puis il te dit, Moïse, mais ça va faire. Mais de nos jours, est-ce que nous sommes capables de fêter ça, nous-mêmes les chrétiens? Comment nous sommes capables de fêter ça? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et j'ai frappé tous les premiers nés du pays d'Égyptien. Pourquoi ça l'Éternel dit Moïse fait ça? Parce que l'Éternel va passer dans la nuit, il va briser tout premier petit Égyptien parce que il pas voulu laisser Israël en paix. Et l'Éternel m'a dit pour laisser en paix. Laisse mon fils aller. Il pas voulu. Eh bien, dans verset 12 là, depuis des hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes si la maison, si les maisons où vous serez. Je verrai les sangs. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous les célébrez par une fête en l'honneur à l'Éternel. Les célébrer comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Nous avons une signification des pains sans levain déjà. Nous ne pouvons pas l'expliquer plus des pains sans levain. Mais je dis, nous te voulons parler de Pâques. On est allé dans le nombre 9. L'Éternel parlait à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après les sorties du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célébrant la Pâque au temps fixe. Pâques la doit célébrer au temps fixé. Vous la célébrez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrez selon toutes les lois et tous les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse partira, pria aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrent la Pâque et ils célébrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs là, il y a une grande signification. L'agneau qui va immoler entre les 2 soirs. On a les plus devant. Nous allons dans Luc 22. Ça fait agneau a été immolé entre les 2 soirs. Christ mourit entre les 2 soirs. Les 2 sabbats. Et ça fait, nous va parler, puis devant nous va parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils ont une grande signification pour nous, ils ont un grand enseignement. Nous pas capables d'aller aujourd'hui en la donne parce que nous pas capables tout le temps pour un seul bagage.
non seulement voulait exemper de la Pâque. Nous avons dit ça déjà, l'agneau a représenté Christ. L'agneau qui va immoler, il était fait pour Israël. Et ça fait Jésus vini parmi eux. Il prend le crucifié entre les deux soirs. Même Jean, Dieu t'a dit avec Moïse. Eh bien, nous allons aller dans Luc 22 pour nous capables d'expliquer un peu des Pâques. Ça fait Christ mourit pendant fête Pâques là. C'est pendant il a fêté fête Pâques là, après Pâques là, et puis il vient arrêter. Pendant fête Pâques là, il a arrêté Christ. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs là, ça que je dis, hein, nous ne pouvons pas l'expliquer, nous ne pouvons pas parler de calendrier Israël là, mais nous allons expliquer un peu tout petit comment ça te est. En Israël, le jour te commencé de 6h du soir et jusqu'au 6h du soir. Nous allons parler de la résurrection, nous allons parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous avons un petit coup de pied tout petit, nous avons expliqué aux gens bagailles. Ça fait Christ mourir, il a crucifié lui. Il a piqué le bocot. Il était bail sang. Il était bail de l'eau premièrement. Et les sangs. Après, c'est sang. Ça fait que l'héroïne pour prendre Jésus, pour l'héroïne garde sous quoi, l'héroïne garde le pendant sous quoi, il va aller, il mourit. Si on était jeune et vivant, prophétie n'a pas accompli. Parce que on a cassé jambe, on a cassé son jambe quand même. On a crasé zone encore. Mais moi, dis bon Dieu merci, parce que pas de zone qui était cassé, même Jean. Tu étais dit avec Moïse. Il va faire ça, mais il ne va pas manger aucun zo dans l'agneau. Il parlait avec Israël. C'est pour cela qu'il vient là, qu'il a crucifié, mais aucun zo pas crasé. Il a piqué le bocot. Aucun zo pas cassé. S'il était un zo cassé, la prophétie n'a pas accompli. Parce que la Bible dit qu'il va immoler, il va prendre l'agneau, il va manger le chair, mais pas manger zoa. Que bon Dieu bénisse. On allez, expliquez-moi. On allez dans Luc et 22. Luc 22. L'avait expliqué un peu de l'histoire de la passion, complot contre Jésus, trahison de Juda. Mais nous seulement besoin verset 7 là. Nous allons lire la donne et puis pour nous capables avancer plus loin. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient, les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car ils craignent le peuple. Ils ont tué le début en fait, pas là, mais ils ont peuple là, ils ont en crainte. Ils ont crainte pour le peuple là, pour détruire. Mais il faut accomplir. Nous allons aller. Verset 5 là, il y en a. Non, verset 7. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte-Cène. Le jour des pains sans levain, nous t'expliquons les pains sans levain. Le jour où tu fais tes fêtes là, des pains sans levain. On devait immoler la Pâque. Nous te dit qui est-ce qui devait immoler, qui va immoler? C'est Christ. Christ a été immolé. Agneau a été immolé depuis dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que Christ vini sous l'Ancien Testament, Christ mourit sous la loi. Christ vini sous l'Ancien, Christ mourit sous l'Ancien. Ça fait tout le travail, il fait tout le travail sous l'Ancien Testament. Parce qu'en Israël, pour te guérir au ministère, il faut te guérir âgé de 30 ans. Christ a commencé le ministère avant. Mais dans l'esprit de Christ, Christ a commencé le ministère. Mais nous, tout simplement, nous voulons tout, il a commencé.
Ministère Christ dirait 3 ans et demi, c'est ça la Bible expliquait, selon des ministères de Dieu. Eh bien, on allait. Et Jésus envoya Pierre. Jésus parlait avec Pierre, dit Pierre et Jean, en disant, allez, nous préparons la Pâque afin que nous mangions. Il disait, il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Ah, c'était une question que tu as posée. Il encore répondit, voici quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrez un homme portant un cruche d'eau. Suivez là, dans la maison où il entra. Et vous direz au maître de la maison, le maître t'a dit. On allait. Où est lié où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus a parlé avec. Jésus a parlé là. Et il vous montrera une grande chambre haute. Mais nous soulignons ça dans la chambre haute. Il a montré dans verset 12 là. Et il vous montrera une grande chambre haute. Une grande chambre haute là dans Acte 2, verset 2. Verset 1er. À continuer. Dans la chambre haute. Qui te prend pas. Ça Jésus avec ce qui te prend pas dans la chambre. La Bible cap dit. Dans la chambre haute côté les 120 réunis. Tu vas le prendre sens là. Tu vas le prendre sens là. Ça Jésus t'a expliqué. Qui c'est la Pâque. Dans la chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il les avait dit. Et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il a dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de mon père. Et ayant pris une coupe et rendu grâce. En plus, il faut une coupe dans la Bible. Au besoin qu'on une signification coupe. Après coupe, il y a écrit même genre. Exactement, puis devant nous va expliquer un verset. Coupe ça Jésus a parlé à là qui c'est la mort de Jésus-Christ. L'agneau. Il dit, il prend une coupe, après le finir de grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez entre vous là avec les disciples. Jésus t'a mangé Pâques là. Parce que faut Pâques là t'es fêté, Pâques là pas fête pour l'autre nation, t'es fête seul pour Israël. Ça fait Christ manger là avec vous, avec vous-même seul. Mais pas manger Pâques, pas fête ça, puis gagne fêter là avec l'autre nation, ni l'autre monde. Ça fait sous pas Israël, les fêtes ça fêter au Pâques à la donne. Il y a campé dans les païens pas de gain accès à entrer dans la fête Pâques. Ça fait les païens fait fête ça, les païens au milieu ont fait fête ça. La fête païenne. Ou mettez qu'on fait. Faites ça. C'est la coutume ça aujourd'hui qui était pour les soi-disant. On allait. Et prenez cette coupe, distribuez entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus fin bret ensemble avec eux et puis il mange, il dit mais moi désormais moi pas chambre fruit ça encore jusqu'à ce que le royaume de mon père soit venu. Qui le royaume de mon père venu? Ça c'est une question que je pose avec
Les auditeurs, s'il vous plaît, ou même qui va avoir chance tendez avec nous, ou va répondre à une question ça. Et ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit. Et il les donna en disant, ceci est mon corps. L'agneau, les Israël t'a mangé, mais Christ, je dis, les a fêté fête par ça avec Christ. Christ expliquait d'une autre façon. Ceci est mon corps. En disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ça en mémoire. Il y a un petit problème. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après avoir soupé. Après le souper, et il allait donner en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance qui était prend place au jour de la Pentecôte dans la chambre haute meublée. Dans verset 12 là. La Bible a expliqué. On a les plis devant. En mon sang qui répandit pour vous. C'est la nouvelle alliance. Ça veut dire que tu as deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Là. C'est Christ qui vient avec la nouvelle alliance. Là. L'ancienne alliance là, qui c'est la loi, mais la grâce et la vérité qui c'est la nouvelle alliance. C'est bon, voici les mains qui c'est lui. Est-ce que nous avons besoin de ça? Nous pas besoin. On a les. On a les dans verset et verset 30 là. Afin que vous mangiez et buviez, que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On a les dans verset 39 là. Oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples lui suivirent. Lorsqu'il est arrivé dans ses lieux, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloignait à la distance d'environ un geste de prière. Et s'étant mis à genoux, il pria. En disant, Père, si tu voulais, éloigne-moi de cette coupe. La coupe Jésus te prend, il t'abaille avec les disciples. Eh bien, dans verset 40 là, hein? Oui. Éloignez-moi. Oui, dans verset 40 là. Blis quoi? Ou quoi? Excusez-moi. Non. Verset 42. On va excusez-moi, mes amis. Excusez-moi. Dans verset 42, Jésus a expliqué. L'a dit. Si vous voulez paix, éloignez-moi de cette coupe. La coupe, Jésus te prend, li te baille. Les disciples te buvaient en vous tout ça, qui représentait la mort de Jésus, qui c'est Jésus même. Eh bien là, Jésus a dit, maître, si ce n'est pas volonté, éloignez-moi de cette coupe, toutefois, ce n'est pas volonté. Alors, nous parlons là. On allait dans Marc 14. On allait dans Marc 14 pour nous expliquer où nous allons. Marc 14, verset 12. Célébration de la Pâque. Les premiers jours de des pains sans les vins, nous avons expliqué là. L'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus dit,
Ou veut-il que nous préparer la Pâque? C'est toujours même bagaille là. Et est-ce que nous besoin de lire ça? Nous pas besoin de lire parce que nous avons lire pour vous. Ok, nous allons lire dans verset 22. Mais ça nous met dans verset 22. Ça veut dire, c'était fête Pâques, là. Célébration de la Pâque. En verset 21 avant, le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à l'homme, par lui, le fils de l'homme est livré. Mieux pendant, mieux voudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. On a le verset 22. Pendant qu'il mangeait, non Pâques là, pendant qu'il a mangé, ça veut dire fête Pâques là, c'est ça. Pendant qu'il mangeait, ça veut dire c'est pas un seul monde qui t'a fait manger là. Là c'est verbe là qui a expliqué là, verbe manger, non fête Pâques là. Ça veut dire depuis ces fête Pâques là, c'est une grande fête côté où fait un pile bagaille, un pile manger, toute qualité de manger. Et puis pendant qu'il mangeait, même moi, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il a mangé, Jésus prend du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et les dit en donnant, en disant, prenez ceci et mon corps. La coupe, nous avons expliqué la taléa, qui c'est la mort de Jésus, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il les dit, et la donna, et il en buvait en tous. Et il les dit, ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où je boirai dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Je veux dire, je vais l'expliquer. Yon bagay. Dans le royaume de Dieu, dans l'espace royaume de Dieu, il n'y a pas de rien avec bagay naturel. Ce sont des anges qui vont là. Les anges ne pas vivre avec aucune chose naturelle. Les anges ne pas vivre avec aucune chose naturelle. Les anges sont des anges. Est esprit. Dieu est esprit. Et tout ce qu'il adore, adore en esprit. On allait dans Jean 6 pour nous expliquer un peu des pains. Côté Jésus a parlé avec les disciples. On allait dans Jean 6. Merci pour compréhension ou même cap suivre. On allait dans Jean 6. Nous allons dans Jean 6. Et dans verset 41. Est-ce que nous allons lui verset et verset 40 là-bas. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils de le Fils et croit en lui, il aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Comment un homme est né naturellement? Lui fait parmi tout le monde et puis devant la Bible c'est pain qui descendait du ciel. Quand pain ça a sorti, comment pain qu'a fait, excuse-moi, comment pain qu'a fait sortir dans le ciel? Pendant ce temps, homme en fait là avec vous, c'est un bagage qui est vraiment inexplicable. On fait ensemble avec moi là et il fait non pas bête, non lit misérable et puis pour le plus devant la Bible lui c'est pain qui bail la vie. Comprenez? Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Et même il dit ça. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils ont campé, d'autres Israéliens, ils ont campé, ils ont dit, nous ne savons pas qui est Joseph là. Hein? Donc nous connaissons les pères et la mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel. On monde qui fait là avec moi et puis pour camper vous dire les sont dans le ciel là. Et moi tu vas bon moi. Pas prendre nom moi même. Bon même si on monde camper là dit mais sont dans le ciel, on va passer temps avec lui. On va passer temps avec lui.
baka di souhaite dans ciel oui comme bon moun là ou fait avec moun dou souhaite dans ciel ou besoin gagner colonne de nier ensemble avec ou là ou gagne colonne de nier sous front sous la vie ou les ça ou va discerner la vérité les mystères cachés. Eh bien, en allant dans verset 43, Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et la précipité au dernier jour. Il est écrit, les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Et par l'âme de Dieu. En allant verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Christ a parlé, Christ dit, c'est pain de vie. Immédiatement, Christ a parlé, Christ dit, c'est pain. Qui représente pain? L'enseignement de Jésus-Christ. Elle est pain. On allait. Dans verset 48, là, il dit, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Manger la manne dans le désert, ils sont morts. Israël, manger la loi, la manne dans le désert, la manne de tomber, qui c'est un type de. Les lois de Dieu, ils ne sont pas respectés. Ils mangent, et puis ils mourent. Ils mourent physiquement et dans l'esprit. Ils ont été jugés. Nous ne sommes pas là. Mais, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui n'en mangerait ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Agnoa, c'est fait naturellement. C'était un bout. C'était un bagage physique. Mais Christ est spirituellement. Christ mourit physiquement. Mais comment Christ dit, c'est les chairs qui est le vrai, le pain. On allait. C'est ma chair que je donnerai pour vous à la vie éternelle du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient. Les Juifs étaient là, les Juifs étaient à palace avec les Juifs. Juste disputaient entre eux-mêmes. Ils font une dispute entre eux-mêmes. Il dit comme ça, comment peut-il nous a donné sa chair à manger? C'est une question que les Juifs t'ont posée avec Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne boivez pas sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et la ressuscité au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mais quand il y a son question m'a posé, comment capable manger la chair de Jésus-Christ? Comment capable boire sans Jésus-Christ? C'est comment capable manger chez Jésus-Christ? C'est comment capable boire sans Jésus? On besoin qu'on ait, faut qu'on comment pour manger chez et comment capable boire sans? Par l'onction de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, on peut manger la chair du Fils de l'homme. Et par l'onction de la parole, on est capable de manger, on est capable de boire sans, c'est pas l'onction de la parole, chair, c'est l'onction de la parole de Dieu. Sans, qui c'est
la puissance du Saint-Esprit. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est un, vraiment une nourriture solide. Mais comment un enseignement devient une nourriture pour nourrir l'homme? Si vous avez pour chercher, vous chercher. Manger pour chercher, c'est ce que la Bible dit. Tout ça qui entre dans le corps, ça va jeter le nom lié secret. Ce n'est pas ça qui entre, qui a purifié. Mais c'est ça qui a sorti, qui a suivi l'homme. Ça qui dit sanctifie-les par la parole, car la parole, car la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On a dit. Verset 57. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Eh bien, comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses et dans la synagogue enseigné à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir l'entendu, étendit cette parole et dit, qui peut l'écouter, parole ça? Qui monde dit qu'attendait des paroles ça? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples mimiraient à ce sujet, les dit, pas scandaliser. Et si vous voyez le Fils de l'homme, montrez où il était auparavant. C'est une question. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert rien. Les paroles que je vous dis est esprit. Cette parole est esprit. La chair ne sert rien de cette parole. Mais les fils de Jésus finissent expliquer ça. Il y a plusieurs parmi Jésus-Christ, les disciples, ils sont allés. Eh bien, Jésus dit avec les 12 qui étaient restés, sauf les 12, et vous, pour qui ça m'a parlé? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est la parole qui est la vie éternelle. Ça veut dire rien ne peut donner la vie éternelle que la parole. Que mon Dieu bénisse nous. Puis devant, dans la prochaine vidéo, nous va expliquer au plus. Nous souhaitons une bonne édition. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Nous ne pouvons pas faire trop de temps vrai. Que bon Dieu bénisse nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer au plus des fêtes de Pâques. Nous allons finir avec nous. Il y a l'autre verset pour nous toucher encore. Mais nous voulons marrer là. Nous souhaitons une bonne nuit dans le Seigneur. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu prenne soin avec toute famille. Merci. Ciao. Merci, chers amis.